Et salut à tous et à toutes et bienvenue à l'épisode 16 de Beastart. Alors petit changement, petit choc, exactement, petit changement graphique. Donc voilà, j'ai pris pas mal de temps à faire mon let's play parce qu'il y a eu la version bêta qui vient de sortir. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu de temps à sortir mes séries et du coup bah là je les enchaîne. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais suivre le rythme sans problème, même s'il va pas avoir énormément de vidéos de Beastart vu que la saison 3 j'ai commencé à la préparer. Mais voilà, en tout cas, donc je venais de planter mon vaisseau et donc comme par magie, il y en a un nouveau qui est apparu du ciel comme ça. Hop, il s'est posé, donc voilà, on va repartir et on était parti pour aller chercher de la glace. Alors avant de partir chercher de la glace, je vais bien sûr l'allumer. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Hop, c'est pas ça. Et on va bien sûr regarder un petit peu les graphismes. Qui sont juste magnifiques. Donc voilà, on va faire un petit tour de notre petite foreuse là. Avec les pieds, les propulseurs. C'est waouh. C'est waouh. J'ai rien d'autre à dire. Regardez-moi ces foreuses. Pouah, pouah, pouah. Et hop, et regardez aussi les tourelles. Comment elles sont méchantes, les tourelles. C'est. Ouais. Ça envoie du steak. Je trouve que ça envoie du steak. Enfin bref, voilà, on va retourner à nos occupations. Est-ce que j'ai allumé les lumières là? Ok. Bon, par contre, les lumières sont toujours aussi, aussi mal faites. Mais c'est pas grave. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi je suis en surcharge? J'en déconne. Qu'est-ce que c'est que ça? Courant de sortie. Oh! Pourquoi j'ai des réacteurs qui marchent pas là? Il est là le problème. Il est là le problème. J'ai bugué. Bugué. Alors là, j'avoue que j'ai plein de petits réacteurs qui tournent pas. Je sais pas du tout pourquoi. Parce que s'il faut que je les répartisse, ça va vite me gaver quoi. Hop, donc je les ai mis dans les conteneurs. Est-ce qu'ils vont partager les conteneurs? Pourtant, ouais, pourtant. Ah, mais ils sont déclarés à personne. Est-ce que c'est pour ça? Eh ouais, c'était pour ça. Oh, t'es sérieux là? Ah bah là, j'ai carrément plus de problème d'énergie là. D'accord, et eh bah écoutez. Ah si. Ah mais je pense que c'est parce que mes réacteurs ont pas le temps de se charger. On va y aller tranquillou. Petite information les poteaux. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà parlé de Beastart, la saison 3. Je voulais le faire en plusieurs modes en fait. C'était tout simplement savoir si vous préférez un peu un mode cinématique ou si vous voulez préférer un live carrément, ou alors si je continue ce modèle de format de vidéo. C'est à vous de me dire, vous me dites dans les commentaires, n'hésitez pas, avec grand plaisir, je vous écouterai. Sans souci. C'est quoi ça là-bas? What? C'est quoi ce machin? What? Il y a une structure. My god. Ouais, attends, je crois que j'ai pas de munitions pour ma mitraillette là. Ok, j'ai cul de l'uranium. Ouais, ok.
J'ai pas trop envie de m'en approcher en fait. J'essaie d'aller à pied vite faf pour voir. Je vais me poser là maintenant. Je vais me poser et on va y aller tranquillou, hein, parce que là je sens que ça pue la merde. Tu vas me dire, elle a pas l'air d'avoir de tourelle, mais bon. Oula. Ou bien un truc qui fume. Je vais me poser. Clairement, je vais me poser. Petite sauvegarde. On ne sait jamais. Hop. C'est où? C'est là-bas. Eh ben écoutez, on va aller voir. On va aller voir ce qui s'y cache. Je vais me faire dézinguer, je le sens. Pas de toile là à l'entrée. C'est quoi ça là-bas? Non, c'est le bloc. Tant pour moi. Ouais, oula, elle a. Ouais, d'accord, elle a sacré morsu ce machin. Sa sacré morsu. Comment je vais rentrer moi? Bon, y'a rien. Oh! Ah ah. The fuck? Ok. Et un capteur là-bas, c'est plus la merde. Ça fait grand chose. Mais c'est rouge. Ouais. Il doit plus avoir de l'énergie. Voilà, dans le doute. Oula. C'est le capteur tenait un convoyeur. J'ai un chip là. Ouah. Ouais, c'est de une base abandonnée ça. Il y a des trucs dans les raffineries ou pas? Tour à l'intérieur. Oula, il y a de la munition là. Ça, j'arrive pas à... Avant, terre-plein. Ok, heureux les gens, excusez-moi. Petit bug vidéo. On a aussi ce vaisseau. C'est quoi ça? Conteneur de marchandises. Écoute. J'ai l'air d'avoir accès, je vais partir avec. Hein. Par contre, je sais pas quand je vais sortir. Ouh. Il y a la météorite qui est pas loin.
Est-ce qu'il démarre? Nice, il démarre. Ah. C'est pareil, à personne, je vais le mettre à moi. Alors, est-ce que j'ai cassé un truc quand je suis sorti, non? Écoutez, hop, je vais le laisser là en attendant que les roues se mettent un peu à jour. Je vais aller faire le tour à pied. Et je vous dis donc au prochain épisode pour la suite de cette aventure. Tchou tchou tout le monde!